Hello, hello les amis. Je m'adresse ici à tous les artisans de lumière qui portent en eux la blessure du rejet. Hein, vous la connaissez bien celle-là de blessure, hein. Cette sensation de ne pas être d'ici, de ne pas être accepté, de ne pas avoir sa place, de ne pas trouver sa place, et blablabla, blablabla, voilà. Celle-là, vous la connaissez. Eh bien, est-ce que vous savez que en réalité, derrière cette blessure, vous portez en vous la capacité de créer réellement dans la matière, ça vous le savez, mais vous avez une capacité surtout d'implication. En réalité, quand on a la blessure du rejet, on est les rois de la fuite, hein. On est les rois de la désertion par certains moments, parce que même si on aime beaucoup la terre, le vivant, etc., on passe notre vie à essayer de fuir, fuir cette réalité, fuir ce monde que l'on ne comprend pas la plupart du temps. Mais si on fait l'effort d'aller au-delà de ça, si on fait l'effort de se retrouver, de dépasser ces blessures de la personnalité, de renverser, c'est-à-dire de faire son retournement, eh bien on arrive dans l'espace de pouvoir. L'espace de pouvoir, c'est l'espace de capacité. Et la capacité de ceux qui portent le rejet, eh bien, c'est la capacité de manifester concrètement dans la matière. Tout à fait l'opposé du fonctionnement à partir de l'ego. Car quand on porte la blessure du rejet et qu'on est artisan de lumière, eh bien, on a énormément de mal à mettre les choses en terre, si je puis dire. Hein ? On a beaucoup d'idées, on a des bonnes intentions, mais ça ne se met pas forcément en terre. Et donc, ça ne pousse pas forcément comme on le voudrait. Eh bien, ce retournement, il est possible. Il est possible, et surtout, moi, j'ai enseigné, à partir des structures de caractère, une façon de faire ce retournement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et je vais mettre en place vraiment un enseignement, et surtout, comment on pourrait dire, un atelier, pour que vous puissiez retrouver le soleil qui est en vous et devenir la personne que vous êtes. À bientôt, c'était Evelyne, thérapeute énergétique et l'art thérapeutique de la nature. À bientôt.